Salut à toutes et à tous, c'est Ingmar67 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda's Minish Cap où on fait le boss du Temple du Vent. Oh, c'est cool ça, il donne enfin des cœurs. Pardon, j'ai parlé trop vite. Ah si, allez donner des cœurs. Merci. Ah, un peu mal. J'ai des doutes. What? C'est quoi ce combat de boss? C'est quoi ce boss? Ah ok. Ok, j'ai compris. Compliqué comme boss. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok. Va te faire foutre. Et tu m'énerves, hein. Putain. Qui a inventé un boss pareil? Celui qui s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un boss qui me nique tout. Chez Nintendo, je le trouve. Je nique sa mère. Allez. Bon, tu vas bien mourir. Pourquoi j'ai... Ah! Merde. Repasse, reviens. Ce boss, allez vous faire foutre tous. Ouvre un œil. Ok. Est-ce que tu lèves les cœurs?
Ouais. Il va peut-être fermer un peu les cœurs. Bon, je m'attendais pas à un boss comme ça, hein. Non! Aïe. Donne les cœurs, donne les cœurs, donne les cœurs. Allez, encore un. Merci. Il est mort? Dites-moi qu'il est mort. C'est bien joué. Vous avez trouvé l'élément vent. C'est l'essence de la force du vent qui porte le pollen et fait fleurir la vie. Oups, on n'a plus la musique apparemment. 12 cœurs. C'est très très bien tout ça. On a enfin trouvé le quatre aimants. J'ai envie de créer l'épée sacrée. Il est pas bête celui-là. On peut le faire comme d'ici? Apparemment pas. Bonjour. Est-ce que tu es enfin prête à faire du sexe? Apparemment. Nos corps ne sont pas compatibles. Oh oui, on va y aller doucement. On va y aller doucement! Avec Tortor. Cherche pas ta tortor. Tartare. Un coffre? Un coffre. Dans la vallée des rois. Ah oui, ils se sont collés. Oh, ils se sont emboîtés. Comme moi avec ta mère hier soir. Oh! Toi, t'es moche. Par contre, est-ce que tu es prête à ce qu'on est ensemble? J'ai pas votre emboucle. Je suis désolé, mais j'ai pas de carré. Moi, je suis pas trop carré en fait. Suis pas trop gym. Toi, tu vois, par exemple, toi, t'es swag. Toi, je t'aime bien. Toi, au moins, tu fais pas de caprice. Je vous assure, à la fin de cet épisode, je me pends. Je me pends et je le mets en direct sur YouTube. Donc, bon ben, à part les conneries que je viens de faire, on a fini les 4 temps. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc, on a la source de Serra. D'ailleurs, il n'y avait pas un truc à Serra. Et toi? Et toi? I can see you. I can hear you. Et même minute you. Je me désespère les mecs. Je fais trop des vannes de merde, tuez-moi. Et c'est un fragment du bonheur, ok. Donc on se taille d'ici. Avant de faire quoi que ce soit, on va aller à la vallée des rois. Ah, mais il n'y a pas de truc à la vallée des rois. On aille à la vallée des rois à pied. Oh, zut. J'ai pas envie. On va quand même le faire.
Il faudrait que je trouve une manière d'ouvrir une dernière arme là. Mais c'est pas ça. Voilà. Je verrai sur le palais de Zelda sur quoi, comment on fait. Donne-moi ça. Mais lâche-moi, toi. Donc c'est à droite. À droite, en haut. Je me souviens bien. Haut, toujours. Là, c'est à gauche. Une fois à gauche, je crois que c'est nouveau à haut. Ouais. Lâche-moi! Putain, ils sont chiants ces fantômes! Et là, on a plus de pancarte en fait. Et là, c'est le drame. Je crois que c'est nouveau à gauche. Dégage! Non! Oh! Gauche! Oh, gauche! Oh! Ah non, non, c'est haut, gauche, gauche. Je suis con. C'est haut, gauche, gauche. Mais là, je suis con. Vous m'énervez, les fantômes. Il y a bien de l'anti-fantôme. La première pancarte, c'était haut. Et enfin, c'est droite. Et celle-là, c'est... L'avant-dernière, c'était haut. Ok, ça m'a pris un petit temps. Pourtant, ça fait que 2 jours hein, que moi, j'étais plus ici. Encore un fragment du bonheur, on s'en doutait un petit peu. Maintenant, on va pouvoir se rendre au sanctuaire. Et donc, je pense qu'après ça, on fera une petite pause on fera une petite pause Minish Cap où comme ça, je commencerai à publier les premiers épisodes du prochain Zelda avant de publier les épisodes finaux de ce Zelda-là. Ça, on est traité comme un criminel. Tout ce que je veux, c'est retourner voir la statue de Zelda et lui mettre ma bip, mon épée, bien sûr, hein. Mon épée bien taillée. Non, putain, il m'a vu. Quel enculé. Je peux accélérer pour qu'ils aillent plus vite. Quoi? Il m'a vu? Ah, fait chier. Putain, il m'a vu.
Putain, mais t'es pas censé me voir. Ouais, pour information, ceux qui n'ont pas calé en fait. Je l'ai calé seulement avant. Ben, c'est le chant des flûtes qu'il y a dans Super Mario Bros. 3, je crois. Je l'ai calé que il y a quelques minutes. Non, j'ai surtout remarqué vraiment hier. Hier, avec mon frangin, on s'est fait un Super Mario Bros. 3. Alors, je sais pas si c'était par là. Pareil. Tout comme ces musiques-là qui sont les vieilles musiques de A Link to the Past. Reforgeons l'épée sacrée. À moi l'épée Minish. L'élément vent est placé. Oh, elle est dorée. Vous avez imprégné l'épée de la force de l'élément vent. Grâce à ces quatre, l'épée blanche est devenue l'épée du 4. Elle peut envoyer un rayon qui rend les aspects normaux aux gens pétrifiés. Elle vous permet également de créer trois doubles de vous. Alors c'est pas des doubles, c'est des quadruplés. Oh. Oh, ça me donne envie là. On avance un peu, on continue. Tiens, tiens, on dirait que cette porte s'est ouverte avec la création de l'épée sacrée. Elle mène peut-être vers les secrets de la force. Allons voir ça, Link. Ces vitraux. On dirait qu'ils indiquent l'endroit où se cache la force. C'est pas l'histoire qu'on a au début du jeu, ça? Il y a bien longtemps de cela. Si, je crois. Alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres. Bon, moi je propose qu'on les accélère vu que j'ai déjà vu. On a déjà vu. Oh oh oh, c'est donc là qu'elle se cache. Ouais? Ah 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 ah, vous êtes vraiment trop bon, maître. Vous m'avez procuré le chapeau à vœux, et maintenant vous me conduisez ici. Malheureusement pour vous deux, je n'ai plus besoin de vous. Ah, personne ne s'en doutait que c'était Vati. J'ai enfin trouvé où se cache la force. La force est avec toi. Link, réveille-toi, Link. Vati a dû prendre l'apparence du roi pour trouver plus facilement la force. Il a appris l'existence du sanctuaire et a entendu qu'on créait l'épée sacrée. Ces vitraux disent vrai, la force se trouve dans le cœur de la princesse. Et Vati ne reconnaîtra rien pour s'en emparer. S'il y parvenait, nous ne pouvons plus jamais libérer Zelda de son triste sort. Dépêchons-nous, Link. Il faut à tout prix arrêter Vati. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? On est dans le dernier donjon? Mais nique-toi! Par contre, elle est soit avec l'épée en or et tout, moi je kiffe. Hein. Ça change des épées violettes. Mais c'est affreux, dans tous ces... le ministre, les gardes, tout le monde, exactement comme la princesse Zelda, si on croit que la princesse Zelda n'a vraiment aucune pitié. Link utilise le pouvoir de l'épée pour les libérer. On va faire comme ça? Comment on fait pour lancer un rayon? Ah! Mais ferme-la!
Mon petit Link, Safre va t'y emmener la princesse Zelda au sommet du château, il prépare un mauvais coup, il faut absolument que tu l'arrêtes. Alors là, c'est nouveau, une musique de A Link to the Past qui est remixée. C'est toi qui m'as sauvé? Merci. La situation est catastrophique. Le roi qu'on trouvait bizarre étant en fait Vati qui a pris son apparence, une tapis pétrifiée, le château a été acquitté par les monstres. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas, mais moi en tout cas je me classe. Hein. Château des ténèbres. Incroyable ce qu'a fait du beau château d'Hyrule. Je ne pense pas que ce gredin ait été doté d'un tel pouvoir. Link, il faut vite retrouver le roi et la princesse Zelda. Il a complètement changé. Swag. Mais apparemment, ce sera pas pour tout de suite. Donc on va retourner au sanctuaire. Voilà. Et c'est ici que je vais arrêter pour ce 28e épisode de Zelda Minish Cap. Je sais pas quand il sort, mais je pense qu'entre-temps, après, il y en aura plus. Parce que je vais tourner un épisode final plus long pour faire tout le château des ténèbres. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter et à l'aimer, à le partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Zelda's Minish Cap, The Minish Cap. Je vous aime fort, je vous embrasse. Je vous kiffe les mecs, restez comme vous êtes. Ciao tout le monde!